Salut tout le monde, ça va? Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de ma crevaison. Bon alors, juste pour info, les images que tu vas voir, ça n'a pas été tourné en live. Hein. Je t'avoue, sur le moment, ma priorité, c'était pas d'allumer la GoPro. Donc ça a été tourné après. Tricherie, oui. Donc après avoir fini de régler la tension de la chaîne, j'étais super fier de moi. Je me suis dit, tiens, ça, je vais aller faire un petit tour, tu vois, direction la campagne. Rien de spécial, tranquille. Je roule en mode peinard, tranquille, tu profites du beau temps. Il fait un peu chaud, ça fait plaisir. Quand soudainement, je suis un peu bête parce que je me dis, oh, rien de spécial. Je continue ma route. Un peu plus tard, quand enfin je peux m'arrêter, je me dis, ouais, je vais peut-être vérifier. Je sais pas pourquoi, je pense toujours au sabot. Non, le sabot, lui, il a rien. Par contre, si je te regarde un peu plus loin derrière, le pneu fait la gueule. Et là, le mode tranquillou, tu l'oublies direct. Le stress, il monte d'un coup. Je trouve vite fait un endroit pour m'arrêter. Je regarde, faut essayer de trouver un garage. Mais vu l'heure, c'est mort. Et de toute façon, ils sont bien trop loin dans la région. Pour aller au taf, pour rentrer à la maison. Vu l'heure, ça va être trop difficile de trouver un garage. Combien ça va me coûter? Est-ce que je fais appel à l'assistance? Dans la merde? Oui. Bon, sur le coup, il y a un automobiliste qui s'arrête. Ce sera le seul mec à s'arrêter du moment. Il me conseille d'aller à la station d'essence, de trouver une bombe anti-crevaison. Je vais difficilement jusqu'à la station essence. C'est là où tu te rends compte que je suis allé trop loin. Ça part dans tous les sens, faut pas aller vite. J'arrive à la station essence, j'achète une bombe anti-crevaison. Ça me servira à rien de toute manière sur le moment parce que à la station essence, bah, je peux pas regonfler le pneu. Donc faut que je continue, faut que je remonte encore plus loin. Rappelle-toi, il fait chaud. Avec l'équipement, ça devient insupportable. Donc je reprends la route, mais au bout d'un moment, c'est plus possible de continuer. Le pneu, il est à plat, j'arrive plus à avancer. En éteignant la moto, j'essaie de la pousser. C'est trop lourd, c'est horrible. Et puis tu sais, c'est sur ces moments-là où tu vois tous les motards qui sont « Hey mec, ça va? Salut! Salut! Salut !» Tu vois pas que je suis dans la merde. Donc ce que je fais, je me décide à remonter tranquillement. Je passe la première, je monte sur le trottoir, j'avance tranquillement. J'ai enlevé l'équipement à ce moment-là parce que c'est impossible de tenir, il fait tellement chaud. Je finis par arriver à un petit garage que j'avais jamais vu. Je passe souvent par là et pourtant j'avais jamais vu ce garage. Là je m'arrête au bout de sa vie le mec. C'est un garage auto, mais je tente quand même ma chance. Je vais les voir, je leur dis, est-ce que ça vous intéresse les motos? Non, ils sont en train de taffer les mecs. Pas trop intéressés, bon. Je demande si je peux quand même regonfler le pneu, tu vois, ça me permettra au moins de continuer d'avancer, de remonter jusqu'à chez moi, histoire de trouver un plan. On sait jamais. Et à partir de là, je comprends plus rien. Il y a un mec qui commence à gonfler le pneu, on trouve le trou. Par chance, il était juste devant nous. Il parle à son pote, faut trouver une mèche. Son pote, il trouve une mèche, il ose pas la mettre. Le garagiste, il arrive, bim bim, il te met la mèche en deux temps trois mouvements, regarde ça. Les mecs, ils m'ont sauvé la vie. Quand je leur ai demandé si je pouvais leur rendre l'appareil, ils m'ont dit non, t'inquiète, aujourd'hui c'est toi, demain c'est nous. Des amours. Les mecs, comme ça. Le pneu, il a pas été niqué, il y a pas de hernie, il y a rien. La jante, c'est pareil, elle a pas bougé. Heureusement, grande chance, grande chance. La mèche, 500 à 1000 km plus tard, elle tient toujours. Faut juste vérifier la pression, tu vois. Bon, normal, j'ai envie de te dire. Ça aurait pu être pire, je partais pour la campagne, me retrouve au milieu des champs comme un connard. En plein cagnard, ça aurait pu être pire. Et pour info, le boom, c'était une vis qui a donc tapé dans la roue et qui a défoncé le garde-boue. Donc voilà ce que ça donne en fait. Le garde-boue qui est, je vais te montrer ça direct. Donc tu vois, il y a vraiment... Il y a la vis qui s'est prise et qui a été tapée là. Donc elle n'est pas restée, elle a juste défoncé le garde-boue. C'était ma petite mésaventure du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour je sais pas quoi, mais la semaine prochaine. Allez, ciao!